Voici vos grosses têtes en liberté. Et notre mère à tous, Fifi Bouvard. Allez, oula. Voilà, zaraï, cul, brrr. C'était gagné. Franchement, alors s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est mon lit. Oui, le titre. Ah, j'ai une histoire. Vas-y, papa. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bon appétit, Philippe. C'est bon le gâteau ? Non, il est très bon. Et, ouais. Et je vous signale que, et je remercie d'ailleurs les généreuses donatrices, que c'est mon gâteau d'anniversaire. Oh, mon bébé ! Déjà 12 ans. C'est pour ça qu'il est en rose, il fait la bougie. Vous voulez que je fasse une quête? C'est votre anniversaire aujourd'hui? Oui. Moi j'en prends pas parce que je suis pas comme vous, moi ça m'empêche de parler. Vous pas du tout. Non. Ça c'est la vitesse où il le bouffe. Vous savez, la radio est un art alimentaire, demandez à l'amiral. Ouais, complètement, ouais. Toujours pour le pognon que vous venez? Bah écoutez, évidemment. Je sais pas, vous auriez pu vous faire des amis. Non, mais j'aime bien vous voir aussi, mais je préfère. Est-ce que vous viendriez gratuitement? Quoi? Avec nous. Oh non. Est-ce que si on vous donnait davantage, vous regarderiez le public? Ah ouais. Il est entièrement vénal. Hein, entièrement vénal. Moi je fais ça pour du pognon, le même que la plupart des gens ils bossent pour du pognon. Et vous faites ça pour quoi? Pour vous voir. Bah je prends votre pognon alors, j'irai voir. J'irai voir Madame Hertel, je lui dirai le pognon de Bouvard est pour moi. Quand même, à ce tarif-là, vous pouvez me voir à poil si vous voulez. Hein. Ah, amiral, vous parlez bien des choses de l'amour. Quand je pense à votre naissance, votre maman. Votre maman qui vous aimait tant quand elle vous a vu apparaître. Les langes, les cris, la bassine. Ah, le papa. Le petit papa. Bouvard qui clapote, le premier caca bleu. Oh. Le médecin vachement emmerdé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, madame, je vous assure, il est normal. Ah, j'espère qu'il est normal, mon petit fifi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. Ben, on le laisse, elle en veut. Alors. Plus comme ils avaient déjà noyé les autres. Le papa, oh mon Dieu, quelle belle petite fille. Oh oui, acheter les affaires toutes roses. Ah, pas mal 4 ans, on l'a nourri comme ça. 4 ans, on lui a acheté les soquettes. Le plumier rose avec l'encre dedans, on lui faisait les couettes, qu'il était mignon. Attends, mon regardez, Dieu, il va pleurer, il est attendri. Je revis, grâce à vous, oui. Toute mon enfance. On dit tout au docteur, hein, il faut, pourquoi tourner le dos au public, quoi? On a devenu une crise de misanthropiche. Parce qu'on fait de la radio, on fait pas de la télé. Oui, mais les publics viennent pas pour voir les culs, viennent pour voir le face. Quels sont les problèmes? Faut pas tourner le dos à public. Ah ben non, mais moi... Faut regarder dans les yeux. Non, ben, je suis pas un saltimbanque comme vous. Oui, mais pourquoi honte de faire la radio? C'est pas honte. La radio, c'est... On parle dans un micro, il y a du fil d'électricité, que je remercie d'ailleurs. Parce que les publics payent très cher pour la place, pour voir les fissages. Moi, je fais de la radio. Je ne fais pas du théâtre. Mais le théâtre, c'est noble chose? Non, c'est répugnant. Mais toi, tu fais théâtre. Navigation, c'est théâtre. Non, la navigation, c'est du sport. Bon, c'est pas... Tu vas pas m'emmerder pendant la journée là-dessus. C'est... Hein, bon, alors tu te calmes, c'est toi aussi. La navigation, c'est la réclame. Non, non, la navigation, ça se fait au large, avec des goélands, avec des albatros, avec des mouettes. Oh. Et qui a l'air d'un oiseau du large? Il y a que Sophie qui a l'air vraiment d'un bel oiseau ici. Ouais. On dirait... Toi, t'as l'air d'un goéland qui a fait 25 ans de tas d'ordures. Tu t'es vu? Juste à garder l'odeur. Il est nerveux. Après, une longue privation sexuelle, n'est-ce pas? Il a toujours le besoin d'exprimer. C'est... Non, mais là, je ne crois pas qu'il y a eu de privation sexuelle pendant sa dernière traversée. Il y avait 4 camarades avec lui, d'après ce que j'ai vu dans les jours. Se calme, le coco, là.
Hein, mise braguette arrière, pochette vaseline. Hein, on se calme. Ça n'est pas Pierre Loti, hein, hein, lieutenant de Vézi. Non, faut pas exagérer quand même. Moi, j'ai les mœurs tout ce qu'il y a le plus normal. Mais vous n'êtes pas le seul, amiral. Si, bah vous, c'est connu. Sinon, il y aurait moins de monde pour vous applaudir lorsque le lendemain du départ, vous rentrez au port. Vous en tirez une, on a beau, moi. Alors, ça, c'est pas les violences, hein. C'est pas l'émission de TF1 les samedis où on dit les chromos. C'est une émission amicale. Pourquoi tu tournes le dos au public, faut le dire? C'est pour qu'il vous voit mieux, monseigneur. J'étais dit que notre métier est aussi honorable que le vôtre. Mais pas du tout, monseigneur. Ah, monsieur, nous avons dit lustre non. Partir sur l'océan est, ma foi, plus grandiose que de rester sur scène habillé bleu, jaune, rose, ainsi déguisé et faire le paltoquet. Ne comptez pas sur moi, monsieur. Le théâtre ridicule. Mais monsieur, permettez que je vous répondissule. Dans le théâtre, il y a des noms célèbres, et Molière est un homme qui, croyez-moi, vaut bien Christophe Colomb, sa prénom de nom. Je préfère Colomb à votre monsieur Molière. Je préfère l'aventure, le lointain et la mer, vos planches pourries sur lesquelles vous montez pour vous faire applaudir par le public ébahi, des propos stupides que vous tenez ici. Ne comptez pas sur moi, et oui, monsieur Martin, je viens ici pour une chose, une seule, et prendre un peu de pognon. Monsieur, nos planches ont un avantage sur les vôtres. Jamais elles ne coulent. À combien de théâtres ont fait des naufragés? Combien de comédiens sont même plus des épaves? Je ne regarde personne, Castelli, pas pour toi. Ne crois pas que je t'attaque. Pour moi, tu es de bois, de ce bois dont on fait idiot, soliveau, pendule, peu importe. Tu appartiens dans la matière dans laquelle chaque individu peut sculpter le ridicule, je le sais, je te crois. Et puis toi, le luron, je t'ai connu, jeune homme, je t'ai vu, petit breton, avec ton chapeau, ton joli chapeau rond, aller dessus la plage, ramassant des coquillages, chantant un air pur, regardant l'océan, et tu quittes Paris? Eh non, tu fais carrière avec les saltimbanques, et pourtant je sais que toi, la mer te manque, qu'elle t'appelle là-bas dans les rochers lointains, qu'elle te dit, mon Thierry, la mer me tente. Rejoins donc les marins. Mais je ne savais pas que tu étais breton. Mais je le suis, monsieur Martin. Je ne savais pas que dans ce pays marin, il y avait aussi des artichauts nains. T'as un beau dos, hein. Je préfère mon dos que ta gueule. Ah, c'est marrant. Bravo. Voulez-vous fâcher avec tout le monde? Et dos. Et comme en mer, quoi, la quille en l'air. Pourquoi tu montes ton dos alors que t'es si beau, tu as si beau visage? Bah, le vent arrière, c'est des yeux à 360 aussi. Degrés. Montre tes yeux, tu feras une carrière. Je peux te faire réussir. Viens me voir le soir, je te ferai travailler. C'est vrai, amiral. Il y a un tas de dames qui aimeraient vous voir, là. Hein? Est-ce que j'ai envie de les voir, moi? Ça fait rien, puisque tonton prendra l'argent. Tu n'auras même pas de plus. Il est parti sur son bateau pour Dakar. C'était 8 à bord. On se calme. Je représente la liberté d'expression socialiste ici. On se calme. Tu vas arrêter de m'emmerder avec mon métier. Je vous emmerde pas avec le vôtre, moi. On savait pas que c'était votre métier. Alors ça, c'est 6 ans. Là, tout le monde, tout le monde est narré. Que vous le sachiez pas, ça me fait plutôt plaisir. L'océan des scénés. Toute ma carrière, moi, comme chanteur maritime. Bah, tu as terminé comme chanteur maritime. L'océan des scénés roule la pauvre barque. Fais gaffe, hein. Car sauzons le Brestois et vaincu par les flots. À l'église du village. Mais suis les pieds. Sans l'épouse en larmes. Prince Saint-Michel, une botte d'artichaut. Vous n'avez pas les chansons réalistes? Oh, je préfère ça dimanche Martin, je l'ai tout de suite. Ben, c'est pas une émission qui coule, évidemment. Mais qu'est-ce que je fais? Mais moi, j'aime bien mon métier. Je suis né. Dès que je suis sorti du ventre de ma mère, le médecin a fait « Oh, Molière !» Faut dire que j'ai mis la perruque de ma sœur. Hein. Ça
C'est un beau métier, comédien. Non, mais moi, je t'en parle pas. Tu me fais ce que tu veux. Comme eh ben, et de l'admiration pour nous. Mais je veux bien même faire semblant d'en avoir, mais... Mais de l'admiration. Avec, les histoires de bateaux. Écoutez, invitez-moi sur votre bateau, je m'occuperai de la barre. C'est d'ailleurs ce qui risque de se produire dans quelques années. Dis donc, la barre à gauche, elle a buté, là, elle est en train de revenir à toute force. Moi, je ne sais même pas ce qu'elle a fait. À tribord. J'ai entendu dimanche un discours du maréchal Pétain, mais c'était peut-être une émission souvenir. Je sais même plus. Mais mon poste est déréglé. Hein. Ce qui est intéressant dans le dos d'Olivier de Tirsouzon, remarquez, c'est la quatrième dorsale, particulièrement développée. C'est les hommes de bar. T'as fini de l'emmerder. Ah là, Philippe. T'as fini de... Bah, c'est bien la première fois que je te vois être gentil avec Castelli. Eh bien, c'est bien la première fois que je te vois méchant avec moi. Enfin, je suis méchant, mais est-ce que tu m'as envoyé un mot de Dakar seulement? Un télégramme? Je crois que c'est une vie de passer des mois à t'attendre après. Oh, des mois, quelques heures parfois. Oh, je t'en prie. Des mois à préparer son bateau, il faut prétexte. Je vais réparer ma quille à l'Orient, tu parles. Puis ça embarque. Allez voir ce qu'il fait là-bas à Dakar. Si encore il me revenait premier avec une médaille, jamais. Il a eu un accessite de flottaison la dernière fois. C'est pas une vie. Eh, je leur tourne pas d'eau, je te regarde de face, non, c'est il différent. Il ne ramène pas ses sous, il les boit avec ses copains. Ils se finissent aux critères. J'aurais mieux fait d'épouser quelqu'un qui travaille en usine, on y rentre là. Marin pour marin, tu vois. On aurait fait des moules, et bien on aurait gagné, chérie. Mais toi, tu veux toujours aller chercher le poisson plus loin que les autres. Au sable d'Olonne, mais on avait les sols, rien. Nous, lui, ce qu'il lui faut, c'est de la baleine. Mais ça se vend pas, les gens n'ont pas le four qu'il faut. C'est dur de faire cuire une baleine. De Monsieur Latré de Sarthe-l'Espas. À quoi a servi le bois Gopher, G-O-P-H-E-R, à en croire la Bible? L'arche. Faire l'arche de Noé. À construire l'arche de Noé. Bonne réponse de l'amiral. C'est un bois qui est insubmersible. Oui, c'est ça. Tu devrais d'ailleurs... J'ai pas fini ma phrase. Gérard. Oui. Adieu. C'est toi le naufragé de cette émission, mon pauvre coco. En quoi il est fait, votre bateau? Ça vous regarde pas? Je vous demande, est-ce que je vous demande en quoi elle est faite, votre secrétaire? Je n'avais pas dessus. C'est pas ce qu'elle dit. Non, mais parce que, bon, c'est quand même important, le matériau dont on fait une embarcation. Absolument, oui. Si on ça fait... n'a aucune importance. Mais non, c'est tout, c'est un matériau qui coule. Mais on prend plus le bois, je crois, hein. Beaucoup moins. Vous n'en avez rien à foutre. Mais si, moi, j'aime bien m'instruire, puis... Mais c'est... non, mais de toute façon, hey, parler de bateau avec vous, c'est comme discuter de philosophie avec une mouette. Et ben, tu sais, avec les mouettes, souvent... Je vais pas parler de bateau avec vous, vous êtes nuls. Souvent les muettes, mais c'est bien pour ça que je pose des questions, pour apprendre. Mais vous apprendrez jamais. Vous apprendrez jamais ce que c'est que la mer, les bateaux. Vous savez pas, c'est le rythme de l'océan bleuté, les vagues. Si vous saviez, vous pourriez peut-être nous en parler un jour, quand vous serez allé voir. Mais Léon. Au loin. Et moi, je l'aime trop pour vous en parler, parce qu'au cas où vous baigneriez dedans, ce serait quand même très grave pour l'écologie mondiale. Ça la ferait déborder. Imaginez que je prenne un bain, tout l'océan déborde. Si Mister Zitron se met à poil in the flotte, mettez-vous à la place des coquillages qui filent trop l'eau en permanence. Elles vont gerber les moules sur les côtes. Hein. Bon alors, moi je veux pas vous parler de la mer. C'est un endroit merveilleux, secret, lointain. L'océan murmure. C'est quelque chose d'intemporel. Ah, c'est joli la mer. C'est très joli. Au matin, quand les ribourelles se lèvent. Les quoi? Eh non mais entendre Philippe parler de la mer, c'est comme si moi je parlais du bois de Boulogne, du Normand. Tu en parles d'ailleurs. Ou la seule mer que vous connaissez, c'est l'étendue de préservatifs sur laquelle vous faites du ski le dimanche. Alors arrêtez. Je suis sûr que vous êtes interdit de plage par le syndicat des bigorneaux.
Mais le Mécario, c'est un bateau à vapeur, à fumer. Qu'est-ce que c'est que le Mécario? Mais non, écoutez. Il aime pas qu'on parle de ses sponsors. Mais non, mais j'aime pas qu'on parle de bateaux. Je veux pas parler des bateaux avec des ploucs pareils, quand même. Mais alors, si on peut plus parler de bateaux, de quoi on va dire comme connu? On a qu'à parler de tes films ringards, et ça te fait un banque de merde. Parle-nous-en, parce que si t'en parles pas, c'est pas nous qui allons les voir. Et tu te trompes. Écoute, j'ai vu par hasard deux fois sur une affiche, il y avait des mômes qui vomissaient. J'ai obligé de mettre un quart de flic pour cacher. Mais non, arrête. Arrête de parler vulgairement, tu te rends pas compte? On est à la radio, on n'est pas sur ton bateau. Bah si on était sur mon bateau, tu serais pas là, je vais te dire. Il y a ni cafard, ni rat, ni parasite. Les rats quittent le navire avant la débâcle. Il y a un animal dont il faut jamais parler sur un bateau. C'est le lapin. Pourquoi? On est à l'amande, là. Ouais. Parce qu'il paraît qu'il faisait justement des trous dans la coque. Oui, il se tapait le bois. Ça me fait plaisir de passer du temps avec des spécialistes. Et pourquoi? J'ai jamais vu un tel lot de bavards parler de choses qu'ils ignorent. Mais les lapins, que pensez-vous des lapins et des kangourous femelles? Vous êtes nuls. C'est vrai qu'on peut pas prononcer le mot lapin sur un bateau, non? Du coup, vous ne parlez pas ce que vous ignorez, c'est une émission culturelle. Justement, vous êtes en train d'annoncer. On te pose la question, toi qui es le spécialiste. Je suis pas là pour vous répondre, c'est pas une question officielle, donc je ne réponds pas. Ah bon? Et si je te donne 55? Ah là, tout de suite. Même pour 10 balles, t'as 3 réponses. Moi, j'ai été scout marin, alors j'ai pas fait... T'as été scout, toi? J'ai été, oui. Amiral a été scout, je crois. Oui. Hein, Amiral? C'est à moi que vous parlez, monsieur Bouvard. Il dit pas Amiral à tout le monde, hein. Faut au moins être quartier maître. Vous n'avez pas dire Amiral à Kersauzon, il est en aucun cas ce grade. On t'appelle bien monsieur, t'es pas un homme. Je vais peut-être venir avec un avocat. Oh non, amène la vinaigrette aussi. Même un huissier de justice. Peut-être que je vais le poursuivre en diffamation. Non, c'est pas de la diffamation, ce que je dis. Je lui fous un procès au cul, il a pleuré. Oh. Si vous demandez des réparations, vous peut-être mieux vous adresser à un chirurgien qu'à des juges. Moi, je vous dis un truc, j'ai aucun problème de tête. Non. Elle est pas mal, pas très bien, pas mieux que les autres. Ouais. J'aurais des cheveux comme Kersauzon, je serais ridicule. Non mais tu vois ta tête sur le corps d'Olivier. Oh, arrête. Ça fait vomir. Oui, tiens, si on changeait tous de tête et de corps. Moi, j'aimerais avoir la mienne sur votre corps. Amiral, qu'est-ce que vous prendriez comme tête si vous pouviez en avoir une qui ne soit pas la vôtre? Ça serait la seule fois qu'il aurait pris la tête de quelque chose. Là, je crois que je vais me faire un ennemi. Là, ça m'a échappé, excuse-moi. Mais... C'est pas fondé, c'est pas vrai. Moi, je peux faire quelque chose sur Olivier de Kersauzon. Je vais te dédier quelques quatrains. Alors écoutez, monsieur de Kersauzon, écoutez. Mais qu'as-tu donc, petit marin, qu'on a bercé sur nos antennes? Toi qui repars, mais qui reviens pour échapper à tes baleines. Pourquoi dis-tu ces mots si crus qui vont si mal à ta noblesse? On peut très bien parler de cul en ne parlant que de la fesse. Tu veux frapper tous tes amis qui glorifient tous tes voyages. Tu ne sais pas qu'on applaudit quand un marin rentre à la nage. On t'aime bien de Kersauzon, malgré ton foutu caractère. Mais si tu ne viens que pour le pognon, t'es un marin très terre à terre. Il sourit. Il n'a pas dû comprendre. Tu vas finir poète, toi? Je crois, j'ai c'est déjà... C'est très joli. Bon, qui a dit? Je n'ai jamais assisté à des courses de spermatozoïdes, mais j'ai donné beaucoup de départs. C'est Woody Allen, non? Non. Einstein? C'est pas... C'est le Kersauzon, non? Oui, c'est Olivier Kersauzon. Je n'osais pas aller. Quelle a été votre plus belle course dans le genre? Les 24 heures du gland. Excusez-moi, ça m'a échappé. Il a passé une journée et une nuit à soulever le capot. Quelle vitesse déjà vous atteignez dans le virage? Bon, dans la ligne droite des minots d'hier. 300 km/h, je crois que c'est 800 même. 800. Les tiens ont peut-être à 300 vu la tronche de ton fils. Les miens sont limités.
Tu es emprisonné dans un personnage de brute épaisse. Ouais. Il faut que tu sortes de ce personnage. Parce qu'au fond de toi, il y a une fleur bleue qui pousse sur le fumier qui est à l'intérieur. C'est une ouverture, là. Enfin bon, voilà. Ouais, non, c'est vrai, vous êtes un tendre dans le fond, amiral. Non, mais fond, moi, contrairement à Junior, moi j'ai mon fumier à l'intérieur. Toi, c'est la croix, tu t'es nettoyé la gueule avec, je veux dire. On pourrait faire l'émission dans une poissonnerie, ça lui rappellera des souvenirs. Là, tu seras à ton aise pour dire des conneries. Il y aura du bruit. Allez, voilà, allez, voilà, allez, voilà ça, là. Mais plutôt que de faire le comédien, t'as encore tes parents, tu leur fais un procès pour ta gueule, tu prends du pognon. T'as sûr que le jury va pleurer quand ils vont voir ton museau. Bon, mais ça y est, écoutez, voilà un garçon gentil. On dirait un furon, vous avez vu, là. C'est l'idée que je me fais du mal blanc avec un pullover vert. Bon, eh bien, considérons que l'abcès est vidé, parlons d'autre chose. Allez. Non, c'est l'anthrax maintenant. C'est l'anthracte maintenant. Il a fait ce qu'il a pu. À mon avis, il a un chromosome qui déconne. Vous allez au cinéma, amiral, de temps en temps? Non. Ben moi, je vais jamais sur le Rhône, nananère. Non, jamais au cinéma. Pourquoi? Parce que j'aime pas être avec des gens que je connais pas. Les dents de la mer, tu as vu? Ouais, je l'ai vu en Amérique. Il a surtout vu les deux dents de la mer, lui. Là, j'aurais pas dit ça. Temps. Pas méchant. Mais non, mais ne riez pas, il petit, avait pas petit. Compris. Non. Tu sais que je suis ton meilleur client. Tu vas te retrouver avec ta guitare autour du cou. J'ai la guitare qui me démange. Blah. Allez-y. À la terrasse d'un café, un client sirote son apéritif. Eh, comment c'est un client qui sirote? J'ai jamais vu des mecs siroter. Par exemple, il y a de l'apéritif. Il prend une toute petite goutte. Quel comédien que... J'ai vu les plus grands siroter. J'ai vu Rému siroter. J'ai vu Sarah Bernard siroter. Mais siroter, veux-tu re-siroter comme ça? Tu devrais jouer dans Siroter de Bergerac. Vas-y. Quel acteur, regardez comment il prend la bouteille. Il est naturel. Oh, la vache. On dirait Jean-Louis Baron. Allez, vas-y. Sirote. Laissez-vous. Le Luron, tu prends une leçon. Vas-y, l'ancêtre. Sirote. Regarde le geste. Regarde le geste, comment il lève le bras. À la terrasse d'un café. C'est Marlon Brando. Vaincu, la présence, il a pourtant pas la gueule. Il a rien qui retienne le public, mais c'est la présence faite. Oh. Sirote. Regarde. À la terrasse d'un café. Tais-toi, on dirait Verlaine. Vas-y, mon vieux. Un client sirote sur l'impérial. C'est sirote. Oh, c'est pour oh. Une autre. Même la lèvre a l'air d'être vraie. Tu peux me l'enfermer. Tout à coup, il voit le siroter. Chat de l'établissement. Il voit le... Le chat de qui? Le chat. Mais vous êtes sourdingue. Le chat de l'établissement sortir à toute vitesse. Se précipiter de l'autre côté de la rue. Dans un immeuble. Vous faites semblant de tuer les poux sur la tête de notre ami. J'épouille. C'est ce que j'aime en toi. Ouais. T'es lente. Alors, il voit le chat de qui? Tout à coup, il voit le chat qui, de... Qui? Mais écoutez... Reprenez depuis le début, on sait plus. À la terrasse. D'un café. Vous savez, à la radio, le public se renouvelle. Un toutes les client. Les gens d'un café pas. Précisé où, dans quelle ville? Tu n'es pas... publicitaire pour un sou. Regarde bien. À la terrasse d'un café de Grenoble, où un client attend... Oui, à la terrasse d'un café... De Grenoble. De Grenoble. Patrie natale de Stendhal. Un client qui attend, et pour se consoler, il sirote son apéritif. Tiens, oui, alors sirote. On applaudit. Tout à coup, il voit le chat de l'établissement. Miaou. Oh, sortir. Ah, il fait mieux le chat que la jeune fille. Et pour ça, il n'en a jamais vu. Qu'il le fait bien. Il voit le chat de l'établissement. Il parle à sortir à toute vitesse, à précipiter. De l'autre côté de la rue, dans un immeuble, à ressortir à toute vitesse, remonter à 100 à l'heure. Dans un autre, et faire comme ça, c'est 8 immeubles. 8 immeubles. 8 immeubles. Et au patron du bistrot, il est fou ton chat. Pas du tout, mais on l'a coupé ce matin, alors il décommande ses rendez-vous.
applaudissements. On en a vu le bout, hein. Non, à quand ça remonte, les Kersauzon? Oh la vache! Il a décidé de se taire, hein. Il est dans un soir où... Ouais, c'est gentil à lui d'être venu, parce que... Il se tait. Ouais. On sait pas où il est, perdu quelque part entre deux vagues. Si tous ceux qui n'ont rien à dire se comportaient comme lui, il y aurait plus d'émissions de radio. Avec son habileté professionnelle, Bouvard vient de retourner l'opinion publique contre toi. Tu viens de te mettre le public à dos. Civilisé, cultivé comme tu l'es, mon petit garçon, je te l'ai dit bien des fois, tu te fais grand tort par une certaine impolitesse volontaire qui fait que la civilisation commande de ne pas tourner le dos aux personnes auxquelles on s'adresse. Tu en mets ta ceinture du docteur Gibault, tes pantoufles et tu la bouffes. Écoute-moi une seconde. Tu n'as pas pu entrer au PTT à cause de ça. Quand l'inspecteur t'a demandé 14 et 14 et que t'as répondu mon cul... Comment veux-tu réussir? Ouais, attends, écoute. Écoute-moi, Marcel, c'est ta mère qui te parle, nom de Dieu! Tu me lâches les baskets un peu, là, tu fais ces émissions. Tu parles à ta mère correctement. T'es mis au monde, je suis allaité au vrai lait. Je t'ai pas mis au Nestlé. Si c'est toi, ma mère. Tu m'as pompé les mamelles. Ton père et moi, nous sommes saignés aux quatre veines pour faire de toi un bachelier, un garçon qui a déjà coulé la moitié de sa carrière. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu apprennes à t'entremettre, trahi. Tu me lâches un peu, non? Je ne te lâcherai pas, mon petit. Une mère, je serai là jusqu'à ta tombe. Alors, Amiral, un petit sourire... Mais tu ne le referas pas, chérie. Mais... Il a tout ton caractère. Excusez-moi. Il a ton caractère. Tu sais, je m'excuse. Oh, merde, je merde, m'excuse. Merde, merde. Tu vois comme il est grossier, il est comme toi. Il a tes colères, il tient bien de ta famille. Mais je t'en prie, on en est fiers. Tu ne t'en es jamais occupé, tu n'es jamais à la maison. Regarde ce qu'il est devenu. À tourner le dos à nos amis qu'on a. Il a eu un des bons métiers. Mais oui, mais c'est pas l'argent de poche que tu lui as donné. Il a voulu un bateau. Tu lui as acheté un bateau, il en a voulu un autre. T'as pas arrêté de lui acheter les bateaux. Même ma dot, il est passé quand il a fallu changer le grand mât. Quand je pense, tu te souviens comme il était beau, le jour de sa première communion. J'avais acheté à prise unique 100 grammes de colle au poil pour lui lisser la mèche. Il était cranté, tout propre. Lâche-moi. Il faut dire que ça a été un enfant très difficile au moment de sa sexualité. Disons qu'il a mal passé son âge pubertaire. Mais il s'est rattrapé depuis? Mais oui, docteur, bien évidemment. Madame Martin, vous avez fait tout votre devoir. Oui. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je suis une mère propre et honnête. Je lui ai soigné toutes ses maladies de l'enfance, ses maladies de la puberté, ses maladies de l'adolescence. Et puis est venu un âge... Moi, je vais vous occuper celle des vieillards, moi, Pénard. Veux-tu parler au docteur? Le docteur Vermorel est notre médecin de famille, excusez le docteur. Madame Martin, je vous suis complètement sur ce terrain. Très bien, docteur. Que vous êtes une mère vertueuse. C'est pas un docteur, ce mec a été viré de l'école vétérinaire pour inconduite. C'était un cousin de ton père, nous l'avons pris comme médecin de famille. Il y a une chose que vous avez ratée, le fait que à son âge, il continue à faire pipi au lit. C'est pour c'est ça, vrai. Que... C'est pour vrai, ça mais... que ses bateaux coulent, il les remplit. Mon amour, lâche-leur une question, puis... On ne dit pas mon amour à son père. Si vous saviez ce que mon Olivier m'a fait le 10 mai. Il m'a voté socialiste rien que pour mon métier. Il savait que son père est d'extrême droite, parce que... On est entre nous. Mon mari a été milicien pendant la guerre. Le béret lui allait très bien. Et puis juste en 43, je lui ai dit, Marcel, prends le maquis en Savoie, on sait jamais, je sens que ça va changer. T'as vu comment ça rend la télé? Il faut faire de la radio et dodo. Hein. Sinon tu vas te terminer comme ça. Moi, mon Patrick, j'en suis fier. M'a fait un cadeau pour la fête des mères. Je te remercie. M'a acheté une concession à perpétuité au cimetière. Et justement, on voudrait que tu l'occupes tout de suite.
Où sont les mots croisés, vous qui travaillez dans un Non, Murat, accordez-nous la faveur d'un moment d'attention. Mais au contraire, moi, pour que mon attention soit toute à vous, il faut que je me concentre sur autre chose. Parce que vous m'éblouissez. Vous pourriez faire la cour à Olga. C'est impossible. Pourquoi ? Elle est au-dessus de mes moyens. Ben, elle est peut-être chère, mais elle peut faire crédit. Oui. Vous ouvririez le crédit tout de suite. Bon, alors, il fera la prochaine transaction. C'est pas mal, l'échantillon. Il fera la prochaine transatlantique en double, les mecs. On parle pas de ton métier de guitariste où tu te retrouves avec ton saxo au coin de la tronche, quoi. Mais ça flotte. Je rends de la musique, je rends des musiciens. Pourquoi tu fais des chansons? Pour le pognon. Ah, moi aussi. Il a fait une chanson, l'amiral? Oui. Il est en train de faire des chansons. Il l'a pas dit, ça. Mais oui. Ouais, le pognon, vous avez vu les droits d'auteur, les mecs, ils touchent. Putain, tu mets chaque fois qu'il y en a qui met une pièce dans le jukebox, il touche. Là, je rends. Comme ça, je pourrais m'acheter mes naufrages à moi tout seul. J'aurais plus besoin d'associer pour naufrager. Et qu'est-ce que vous avez fait comme chanson? Qu'est-ce qui vous inspire? Tout. À partir du moment... À ce prix-là, je peux parler de l'amour, de la détresse, du chagrin, tout. Non, vous avez fait une chanson sur quoi? Mais non, je fais des chansons, j'ai pas fait une chanson, et là, on n'est pas payé pour des chansons, on est payé pour du bavardage insipide, donc insipidons dans le bavardage. Et vous êtes chez Marouani, peut-être? Non, je suis chez Quedal, moi, je suis chez Pognon, fils. Et d'ailleurs, j'ai jamais mis un disque de ma vie, c'est pour j'ai rends de la musique et tout, mais à ce prix-là, j'en écoute. Tu mettras jamais ton nom sur les pochettes? Mais non, mais à la SACEM, oui. Ah, mais moi, je suis sûr que Kersoson est capable de la plus grande tendresse et de la plus grande poésie. Oh, mais je suis capable de tout. Il cache ça sous une espèce de... Je cache rien, je vais dire. De ça, il cache pas grand-chose. Je montre plus souvent. Dans les couloirs. Olga, vous savez que... Non, continuez. Oui. Ce que j'aime dans vos yeux, c'est que très souvent, on les regarde... Dites-lui, t'es jamais vu faire d'Alexandrin. Mais t'as chose, tu m'as pas vu faire, mon coco. Fais-nous les petits Alexandrins. À Olga, non, ça c'est Mireille, Janine, Madame Mitran, non, Olga. Allez, à Olga. Olga. Quand je prononce votre nom, à la mer je voudrais dire non. Olga, Georges Picot, vous êtes belle comme un bateau. Avec vous, j'aimerais couler. Tous les deux en algues enlacées. Olga, vos yeux sont comme la mer. La mer noire, je voudrais naviguer. J'aimerais tant vous approcher. Olga, laissez-moi embarquer dans votre lit pour un voyage qui ne mène à aucun rivage, mais qui me laisse sur votre visage poser mes lèvres toutes mouillées. Si avec ça, elle marche pas, merde, là. Bon, je crois que vous serez très heureuse avec Olivier. Non, oui. Non, je peux garantir que non. Personne ne peut être heureux avec moi. Ma femme, elle est hyper malheureuse. Mais non. Elle a gagné un prix médaille d'or Festival de la dépression nerveuse à Vevey. Le prix interclinique, alors... Moi, je vous colle une dépression nerveuse en 10 minutes. Je vais coller c'est autre vrai, chose. Olivier. Vous avez de la chance, parce que d'habitude, quand il y a une dame... Ouais, faut voir les boudins que vous ramenez. Ouais. Ah, c'est pas des dames, c'est des restes de femmes. On voit que ça a été une femelle à une époque donnée, mais et encore, c'est pas sûr. Ah, faut voir les monstres qu'on a eus. Vous n'avez pas amené des... Enfin, non. On parlera de ça dans les coulisses, si vous voulez, tout à l'heure. Je vais vous dire, hein. Quand même, il y a eu Valérie Mérès, qui est très bien. Il y a Miss France. Ah, Miss France. Vous voulez Miss France, c'est un morceau. Il y a un mec qui me tripote le protocole, hein, moi aussi. Elle était démente, cette gonzesse. Ah, oui. Intelligente, cultivée. Oh, elle nous a fait marrer. Ah oui, ça, c'est quoi, c'est un des temps forts des grosses têtes. Ouais. Qu'elle était bien habillée, elle avait sa petite couronne. Et le vieux Macron qui l'accompagne. Ah oui. Pépé Louis, c'est ses rythmes. Plus une dent, des bagues à tous les doigts, un costume fait à la Libération, puis un poil sur le caillou, tu vois. La laine au fromage et tout. Oh, la poilade. Le vrai malhonnête.
Non, mais chacun dans son coin, tranquille, on fait notre petite émission pénale. Il aime pas être dragué, ça lui rappelle les souvenirs de naufrage. C'est nul en plus. Vous savez, nous en parlons tout le temps. Oui. Chaque fois que l'amiral est parmi nous, on parle de ces naufrages. Mais je voudrais tout de même fixer un point d'histoire. Le dernier remonte à quand ? À quelques années, non ? Ce ne sont jamais des naufrages complets. Il est toujours là pour les raconter. Oui. Hein. Laissez parler, là. Allez-y. Non, bah, quand est-ce que j'ai naufragé ? Est-ce que j'ai naufragé une fois dans ma vie, ma petite puce ? Qui a jamais été au bord de la mer ? Qui a peur des vagues et tout, qui ne sait pas nager ? Ah, effectivement, on va voir si j'ai naufragé. Quand ? Non seulement il est bavard, mais il est nul en histoire maritime. Il y a eu des problèmes. Nul. Parce que vous croyez appartenir à l'histoire maritime ? Au musée de Londres, oui, j'ai un tableau avec mon bateau et moi-même. Vous avez peut-être votre photo et une tablette de chocolat, mais c'est tout. Moi, au musée maritime de Londres, en Angleterre, on ne plaisante pas avec ces choses-là, monsieur. Et vous avez votre photo en Angleterre, au musée maritime c'est de Londres ? C'est pas une photo, une peinture. Une peinture, toile. Vos représentants ? Oui, et je suis sur un timbre de la Centrafrique, parce qu'il n'y a pas de bord de mer là-bas. C'est un sujet inépuisable, hein, cela dit. Oui. Mais non, mais effectivement, à partir du moment où il y a mensonge, forfaiture, invention malsaine et tout, il est certain que Philippe peut briller. Mais donnez-moi seulement une date de naufrage. Je ne me souviens même pas avoir naufragé, moi. Mes sauveteurs, si. Mais moi, j'ai oublié, moi. Vous voudriez pas faire une petite chanson sur les naufrages de l'amiral ? Ah non, parce que j'ai déjà reçu des verres d'eau dans la figure. Puis là, c'est pas un verre d'eau qui prend. Je crois que là, c'est un sujet que je préfère éviter, ça, parce que... Pas abîmer l'outil de travail. Oui, parce que là... Il le comprend très bien, et ce n'est pas une menace, n'est-ce pas ? Non. On aime tous trop la musique pour oh là là. Une guitare. Hein, ça serait dommage. On est tous d'accord là-dessus. Absolument. Voilà. J'ai reçu une lettre, ce qui est rare, de mes deux frères qui sont à la Légion étrangère. Excusez-moi, amiral. Ils viennent en permission à Paris le mois prochain. On sait donc écrire chez vous ? Je crois que faudra circuler en voiture blindée. Il va falloir baliser les mecs. Et en général, dans la famille, les attentats, on ne les rate pas, même si la cible est minuscule. Alors, que disent les autres Kersauzon, amiral ? Mes frères, je suis le fragile, le délicat de la famille. Ah ben dites donc. Vos frères doivent être maous. Enfin, messieurs, vos frères doivent être maous. Moi, je suis le rachitique du lot, le moins intelligent et le moins fort. Alors, bonne chance. Ah ben, ça nous rassure. Bonne chance. Vous êtes combien ? 8. 8. Oui, et vous êtes, excusez-moi Olivier, pour cette familiarité, vous êtes le petit dernier ? L'avant-dernier. Alors donc vous êtes, sur les bateaux, il y en a deux à la Légion étrangère. Ouais. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a un dans la marine. Et l'un au boucherie Bertrand, non, on m'a dit. Non, Bernard. Bernard, pardon. C'est pas vrai d'ailleurs. Non, j'ai un frère qui est tueur, mais c'est pour autre chose. Je l'ai rencontré, il a l'air très abattu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez une sœur ? J'ai 4 sœurs. Mais vous étiez 12 enfants ? Oui. Et qu'est-ce qu'elles font, vos sœurs ? Elles sont avec des mecs. Elles leur prennent leur pognon, peinard. Les mecs, ils amènent des bijoux. Tantôt, ils leur font un gosse. Le mec, il est content, il retourne au turbin, il se crève comme un fou. Le soir, elles chantent, elles engueulent leur bonne et tout, elles ont une belle vie. Le statu quo, quoi. Et vous, Philippe, je peux poser des questions sur votre petite famille. Vous êtes fils unique. Vous êtes fils unique ou il y en a d'autres ? On a cassé le moule. Ah oui, il y en a qu'un. Ils ont fait ça, ils ont pas décidé de pas recommencer après. Hein. Parce qu'après avoir eu un petit, ils n'ont pas eu envie d'avoir un grand. Mais faut dire, vos parents ont eu beaucoup de chance. Parce que ne faire qu'un bébé. Le et voir. Qu'il soit Philippe Bouvard. Le voir comme ça, tout rose. Et puis voir qu'il reste rose jusqu'à 50 ans, c'est formidable. Vos parents étaient incurieux, c'est pas possible. Non, mais ceux de Léon l'étaient. Exact. C'est pour ça que Léon est un journaliste sans tâche. Voilà. Il y a eu des Kersauzon excommuniés ? Non, je vous demande pas s'il y a eu des Bouvard avec la diarrhée au 15e. Vous me foutez la paix avec ce qu'il y a pu avoir avec les Kersauzon. Hein ? Il n'y a pas eu de Kersauzon pape. Ah non, mais il y a eu un évêque de Kersauzon, je crois. Il va y avoir un blessé chez les Bouvards. Non, mais il aime pas qu'on joue avec un nom dont il est légitimement fier, qui a été porté dès la première croisade. Déporté aussi. Déporté ensuite, ouais.
Vous savez qu'il avait un ancêtre, la première croisade, qui s'appelait... Le premier qui a bu la tasse, s'appelait Godefroy de Bouillon. Ah oui. Oui. Non mais j'aime bien, je vous entends tous parler de la mer, vous y connaissez rien, mais avez-vous vu vos tronches, à bord de mer, même les méduses se taillent. Vous vous mettez à quatre pour faire semblant de m'allumer, et moi je sais même pas ce que vous faites, je sais que lui il joue au théâtre des chaussettes blanches pour les mecs du troisième âge. Le Luron, il a un spectacle qui remonte à De Gaulle, donc ça peut faire marrer des mecs qui étaient nés après la guerre 14. Le Vel, il a fait une chanson il y a 8 ans, elle est distribuée pour les sous-gourmets en méthode braille. Hein. Bouvard, il se cache derrière les paragraphes de François, et quant à Balutin, je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui, et je connaissais son chien mieux que lui. Alors, non, moi, effectivement, moi, dans le domaine maritime, je suis célèbre, et vous êtes célèbre que dans vos domaines de saltimbanque et tout, à part mon petit Fifi qui est célèbre pour ses voitures. C'est le seul mec qui a réussi à courir à 1000 mètres à l'intérieur d'une Peugeot. Et ça sans se cogner une seule fois. Vous avez la voiture de Philippe est comme le slip de Léon, un grand truc pour une petite chose. Vous m'avez ému, Léon. C'est vrai. Il est amoureux de sa femme. Hein. Ben oui, mais comme un gamin. Les gamins sont rarement mariés, hein. C'est vrai. Mais les gamins ne deviennent pas vieux. Les gamins restent gamins. Et puis un jour, ils s'en vont. Quel terrible moment lorsque cette femme délicate fermera les yeux du roi de l'audiovisuel. Je vois sa main de Bretonne qui est visitée sur le visage sculpté par les projecteurs. L'homme qui a bafoué toutes les tempêtes de l'audiovisuel est tendu là, sur le lit qui est le dernier. Que le drap est pâle près de son visage. On dirait qu'il sourit en chlore. C'est la première fois que je vois Léon sur un carré blanc. Ben, vous allez dire que c'est la première fois que vous entendez Léon se taire. Pour tous ceux qui ont aimé Léon Zitrone, qu'il s'avance par l'allée centrale et s'en retourne par les bas-côtés. Je n'aime pas les nefs latérales. Monsieur le maire de Champignac, la patronne du bordel de la rue des Rosiers, Maxime Grémest. Tous ceux qui ont aimé cet homme, une délégation entière du KGB avec un masque. Le président de la République elle s'approche. Elle était partie sur l'océan avec Olivier. Fais-toi, le président. Le président de la République s'approche avec une fourchette. C'est lui qui va manger le premier morceau. Il y en aura d'autres. C'était vraiment un très, très grand homme. Je l'ai beaucoup aimé. J'espère que la postérité gardera son image. En tant que maire de Paris, c'est à moi. Chacun son temps d'antenne. Léon Zitrone était absolument merveilleux à vous, monsieur de Ferré. J'ai bien aimé Zitrone, avec et tous les chefs d'État sont là. One guy, no smart, one guy, no very good. Alors, vous enterrez Léon Zitrone. Vraiment. Moi, j'aimais beaucoup Léon Zitrone, j'en reprendrai encore un petit peu. Allô. Allô. Jacques Martin, en direct depuis l'extérieur de la cathédrale de Paris, la foule est là. Muette, on leur a mis un esquimau dans la bouche. Ils attendent la sortie du cercueil de Léon Zitrone. Un enfant des écoles chrétiennes, presque un nain, Philippe Bouvard, arrive en retard avec une couronne plus grosse que lui, sur lequel il y a écrit « Dunlop ». Et nous continuons l'enterrement de Monsieur Léon Zitrone avec quelques pages de publicité. Bien sûr, de la viande. Depuis que je leur donne du citron, ils courent bien, Michel. Maintenant, le cercueil de Léon Zitrone est en train de redescendre le long de la Concorde. Poclin présente une entreprise qui creuse un continent. Nous enterrons les gros. Monsieur Gaston Defer, je m'excuse. Je crois que vous avez très bien connu Léon Zitrone. J'ai très bien connu. Nous avons mouillé nos couches ensemble. Et je vais laisser place à publicité Pampers. Monsieur le Président de la République, quelques mots sur Léon Zitrone. Eh bien, nous avions avec... Quand je... Je me...
C'était pourtant encore... Et... Effectivement, il y a... Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. La France. Merci. Eh bien, écoutez, n'aurais-je vécu que pour avoir mérité ça, je n'ai pas vécu. Quant à moi, l'émission spéciale, nous allons vous passer une chanson de Léon Zitron. Ils vont tous venir pour chanter les chansons de Léon Zitron, qui fut un grand chanteur. Ouais. Et ce soir, nous sommes tous à te pleurer. Et maintenant, voici la délégation du Maghreb qui vient chanter aussi son désespoir pour la disparition de Léon Zitron. Faire la clé, l'île, gros Léon, je verrai plus de télévision. La clé, l'île, gros Léon, je verrai plus de télévision. Aïe, aïe, cos, rache-moi les belles hommes. Ah oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est si beau que je vous promets de mourir dans les 24. En tant que représentant de Greenpeace, je me demande qui a assassiné notre dernière baleine.